cinéaste. Et depuis pas mal de temps maintenant, on a suivi le mouvement avec l'envie d'être avec vous. Voilà. Moi, c'est Konaté Kadoura, délégué d'impliqué des grèves. On était à FAPSAB et on lutte pour la régularisation des travailleurs sans papier. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est aussi que vous luttez depuis combien de temps? Ça a commencé quand, FAPSAB? On a commencé à FAPSAB le 7 décembre. Le 7 décembre? Voilà. Mais la grève a été commencée le 12 octobre. On a lancé les événements. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire là, je crois que c'est le truc le plus beau que j'ai vu depuis très très longtemps dans toutes les luttes. Oui. Parce que voilà, ça dure, c'est beau, vous êtes calme, vous êtes tous là et moi j'ai envie de vous dire bravo à tous. Merci. Donc on vit ici, on reste ici et on reste ici. Merci. Les services du ministère du Travail, on peut dire, sans forcer le trait, en restant objectifs, sont tout à fait prêts, sont tout à fait d'accord avec les procédures qu'on a évoquées. Il y a vraiment une véritable écoute. Ils ne sont pas là en train de nous dire ce que vous dites, ça ne nous intéresse pas. De toute façon, ça ne pouvait pas dire comme ça, puisque c'était le ministère du Travail qui avait convoqué cette réunion. Donc une véritable écoute. Et ils sont prêts à faire. Ils sont prêts à se mettre en mouvement pour pouvoir avancer dans la régularisation de toutes et de tous. Maintenant, je dis bien maintenant, il ne reste plus qu'une décision à avoir. Une seule. C'est celle d'Éric Besson. Seul maintenant, Éric Besson a la décision entre les mains pour permettre de conclure pour la régularisation sur la base de critères tels qu'on les veut, objectifs qui permettent d'en finir avec l'arbitraire préfectoral. Oui, bonjour, vous êtes là pour quoi? Bah écoute, on est ici pour notre marche de la Bastille pour demander la régularisation pour tous les travailleurs sans papier. On est ici depuis le 27. On occupe pour demander au gouvernement de nous faire régulariser. Donc en ce moment, il y a les 11 qui sont venus de nous dire qu'en quoi il y a de bons démarches au niveau du ministère du Travail pour la régularisation. Maintenant, on attend que M. Bisson de donner son accord. Et comme vous le savez, en 1830, ils ont libéré la Bastille. On attend que M. Bisson qui vienne la libérer à nouveau. Ah bah vraiment, alors là, vous voulez qu'il vienne avec un grand cheval blanc? Bah il vient avec un cheval blanc ou qu'il vienne avec sa voiture finalisée, on attend. Mais pourtant, on n'est pas trop d'accord. Hein. On bosse ici, on reste ici. Régularisation de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses sans papier. C'est pas terrible, hein. On n'est pas très bon, moi. Bénédicte Kermadec, je fais partie du comité de soutien aux grévistes sans papier dans le 12e arrondissement. Et Salif, gréviste sans papier depuis 12 octobre. Alors depuis hier, comment ça va? Oui, ça va un peu. Hein. Quand même hier, ça s'est mal passé. Donc, il nous a évoqué, mais malgré l'évocation, on est toujours là. D'accord, vous avez décidé de rester. Oui, on est solide et puis on résiste et puis on est fort. Oui, moi j'étais frappée à 3h parce que c'était tendu. Et à 5h, quand je suis revenue, j'ai vu que mais vraiment, personne ne vous ferait bouger, que vous resteriez là, quoi qu'il arrive. Franchement, malgré la gaz à crémogène, il nous a discuté un petit moment et puis à la fin, on est réunis encore. D'accord. Bon, bah alors, on bosse ici, on vit ici, on reste ici. Ensemble. Je
m'appelle Eva, je suis membre du réseau Éducation sans frontières et du comité de soutien aux travailleurs sans papiers dans le 17e de Paris. Je m'appelle Ibrahima, je gréviste de 8 heures de regard Paris 6e. On est plus là-bas depuis le 1er avril. On est là depuis le 27 mai 2010 pour s'occuper d'ici, pour avoir un critère applicable pour régulariser tous les travailleurs sans papier. Donc vous, avant de venir ici sur Bastille, vous n'aviez plus de piquet. Donc pour vous, c'était très important de vous retrouver quelque part. Oui, bien sûr, parce que depuis le 12 octobre, on a commencé la grève. Donc on a été expulsé le 1er avril, on n'a plus de piquet. On a essayé de trouver un autre endroit, on n'a pas trouvé. Et là, on est obligé d'occuper ici, quoi. Ça, c'est la place de Bastille. Voilà. En plus, c'est très, très symbolique, la prise de la Bastille. Pour la liberté, l'égalité et la fraternité, ce serait bien. Ce serait bien, quoi. Donc là, on dit, on bosse ici. Si. On vit ici, on reste ici. Voilà, Gérard Mordillat, je suis cinéaste et écrivain. Moi, c'est Kamara Boubacar, un gréviste de FAFSA. Et vous travaillez dans quel secteur ? Moi, je travaille dans le secteur du bâtiment, la démolition. Et ça, c'est toujours dans la même entreprise ou vous avez déjà fait beaucoup d'entreprises ? On travaille toujours dans la même entreprise, toujours dans la même entreprise, qui est sous-traitée par Bouygues. D'accord, c'est donc un sous-traitant qui vous emploie, qui vous régularise pas alors qu'il devrait le faire, c'est ça ? Oui, le faire, le problème, c'est pas quelqu'un qui ne l'a pas fait. Il a fait tous les critères, tout ça, les CFA, tout, il a tout signé. Mais le seul souci, c'est au niveau du préfecture. Ouais, c'est eux qui décident des fois de donner le papier aux gens. C'est ça qui complique les choses. Allez, on bosse ici, on vit ici, on reste ici. Et encore une fois, merci à toutes ces personnalités d'être présentes ici auprès de ces grévistes. Bonjour, camarades. Bonjour. Je suis délégué de Chinois et passé le comité délégué depuis l'année dernière, 2 octobre. On est passé en grève avec tous les camarades africains, avec tous les nationalités des camarades. On est depuis jeudi dernier, on est sur la place Bastille. Avec tout le monde, avec le 11. Mais on s'est montré notre force. Et on est beaucoup courageux pour continuer jusqu'au bout. Et même pas le Chinois et Africain, on est tous là, passer toutes les nuits à la journée, jusqu'au bout. On va gagner. Bon courage, tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour le soutien des intellectuels qui sont là, les artistes et à toutes les personnalités. Je vous avais dit que nous les grévistes, nous ne sommes pas isolés et voilà la preuve que nous ne sommes pas isolés. Et la victoire que nous cherchons, c'est là qu'il faut l'arracher, à la place de la Bastille. Chers camarades, les 11 sont déterminés à aller jusqu'au bout pour arracher cette victoire. Et nous, les grévistes, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour arracher cette victoire. Comme que nous ne sommes pas isolés, nous sommes soutenus par tout le monde, ce sera plus facile pour nous d'obtenir cette victoire-là. C'est juste à vous dire qu'il faut rester déterminés et on ira jusqu'au bout et on ne lâchera rien et on aura cette victoire. Vive la solidarité entre les peuples. Yeah!
Camarades, bonjour. J'ai vu ce matin votre détermination. Vous étiez sur la pluie et vous êtes brave, digne. Vous savez, la dignité a un prix. Et c'est ce prix que vous êtes en train de payer. Et vous l'aurez, vous avez déjà la victoire. Et nous l'avons déjà. Voyez derrière vous, en face de vous, toutes ces personnes qui sont là pour nous. Parce que nous avons déjà la victoire. Nous allons jusqu'au bout. Et la semaine prochaine, c'est la victoire. Nous allons le célébrer tous ensemble. Je vous remercie. Toutes les femmes et tous les hommes qui sont réunis là, qui sont en grève pour avoir un statut décent. Et là, je m'adresse au peuple français, travaille pour nous, travaille pour vous, dans l'ombre, sans droit, avec toutes les obligations. Donc, il n'est que justice, il n'est que logique que toutes ces personnes qui veulent avoir un statut légal l'obtiennent, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils payent des impôts, parce qu'ils n'ont droit à rien sinon à fermer leur gueule. Et ce n'est pas normal. Donc, on espère par tous les moyens de manifestation, de solidarité et de médiatisation du mouvement faire en sorte que le gouvernement écoute leur voix d'une manière positive et d'une manière qui ne serait que logique et raisonnable pour nous tous. Bravo. On vit ici, on reste ici, on bosse ici, le travail sans papier, sans papier, on va rester ici, on vit ici, le travail sans papier, on vous demande. Je voulais juste vous demander depuis combien de temps vous êtes ici. Ça fait à peu près 7 ans que je vis en France ici. Donc, oui. Et quel travail vous faites? J'ai fait le ménage, le nettoyage. Ouais. Et pas de papier, rien? Non, pas de papier. Ouais. J'ai fait les impôts, j'ai déclaré. Ouais. Donc vraiment, on demande... Vous payez les impôts? Oui, on paye les impôts. La sécurité sociale aussi? Oui. Pour la retraite, vous payez pour notre retraite? Oui. Et vous n'avez pas de papier? Non. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. On se demande dans quel pays on est. Hein. C'est la colonisation qui continue. Voilà, exactement. Voilà. La France a appauvri vos pays et puis maintenant, ici, ils ne vous donnent aucun droit. Quoi. Oui, exactement. C'est pour ça que je vous remercie de votre combat parce que vous combattez pour tous les travailleurs de ce pays. Ouais. Ok, merci. Et merci, tout vraiment. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc, c'est... On vit ici, on bosse ici, on reste ici, on reste ici. Oui, régularisation de tous les sans-papiers. Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Oui, monsieur. Jusqu'au bout. Oui. Merci. Je t'en prie, monsieur. En vrai, là, il y a RS à la fin. Là, t'as mis R, mais t'as pas mis R. Il y a S, non? RS. Non. Ouais, RS. RS. Là aussi, S ici. Ouais, c'est bon. Ouh, c'est... Là, on met un petit peu. Ouais, carré. Ouais, travaille. Il y a des... Là, il y a RS. On peut passer, on peut passer les lèvres en rouge. Il y a NS, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Marion. J'étais au comité de soutien du FAFSAB pendant 6 mois et maintenant je suis en soutien ici à la Bastille. Et je suis étudiante. Bonjour, je m'appelle Moudibou Diabaté, je suis d'origine malienne. Depuis 9 ans, je suis en France, je suis sans papier. Bon, Moudibou, pourquoi tu es là? Parce que je suis là au niveau du Mali, le salaire il est un peu bas. Donc moi, je suis là pour travailler, pour vivre bien avec moi et ma famille. Pour je peux envoyer un peu de d'argent pour ma famille, pour qu'ils puissent vivre bien au Mali. Parce que si moi, je suis ici, je travaille, je peux nourrir moi et ma famille. Et là, sur la Bastille, là, on dit quoi? Sur la Bastille, on est venu ici occuper ici parce que depuis le 12 octobre, on est au niveau des régularisations, des critères avec les organisations de CGT.
d'abord avec les ministères de l'Intérieur et les ministères du Travail. Et voilà, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est là. Donc on bosse ici, on vit ici, on reste ici. Je m'appelle Magali, je suis fonctionnaire. Je m'appelle Koulibaly Noumoudion, je suis travailleur sans papier. Je viens ici pour vous poser une question toute simple. Quel est votre combat? Bon, mon combat, c'est pour l'initiative pour trouver mon papier. Parce que je suis là en France depuis 5 ans. Je travaille, je cotise, je fais tout. J'ai déjà déposé mon dossier. Le préfecture m'a montré que mon dossier est perdu dans le préfecture. Donc je suis là pour lutter pour que je trouve mon papier. Vous êtes ici depuis combien de jours? Je suis là depuis 12 jours maintenant. On est 11 jours à la Bastille. Donc on est bien d'accord? On bosse ici. On bosse ici, on vit ici, on reste ici. Thank you.
Depuis le 12 octobre,
en fait, on est 6000 grévistes de l'Assemblée Territoire à sortir de l'ombre, de se mettre dans ce mouvement pour finir avec la préfecture, c'est-à-dire avoir des critères précis pour la rémunération de tous les travailleurs. Tu te présentes comme gréviste, mais tu as un métier. En fait, j'ai un métier dans le bâtiment, je suis coffreur boiseur dans le bâtiment depuis 2006. Et qu'est-ce qui est si fort dans la volonté de rester dans ce pays? Mais la volonté de rester dans ce pays, c'est rester des âmes pour travailler et avoir une vie meilleure pour tous les citoyens. Alors, si c'est comme ça, on bosse ici, on vit ici, on reste ici. Donc, salut, je suis Christophe Rugia, je suis cinéaste. Enchanté, je m'appelle Daniel Gassimbala, je suis un ouvrier à Anvers. D'accord. Et donc, tu es à quel piquet de grève? Je suis à Madeleine. D'accord. Vous êtes nombreux là-bas? Oui. Nous, c'est le nouveau Niguel, à Katangadou. Nous sommes à 1600%. D'où ça? En quel accord Niguel? En grève depuis? Depuis 12 octobre. Depuis 8 mois déjà. Et alors, qu'est-ce que vous espérez de l'accord qui a été discuté vendredi? Oui. J'espère bien, avec les soutiens qui sont avec les associés. Hein. Voilà. Et on passera en récompense aussi grâce à votre force, moi, donc ça va s'avancer. On attend que je réponse. D'accord. Et vendredi, donc toi, ça fait longtemps que tu es en France hein? Oui, ça fait 7 ans. 7 ans. Et tu bosses tout, tu as des fiches de paye, des impôts. J'ai tout. Tous les papiers, sauf un quoi. Sauf les papiers. Ouais. J'ai même les cartes vitales avec moi. Sauf les papiers. D'accord. Ouais. Donc tu rentres complètement dans les critères qui ont été discutés là, si réellement le texte est celui qu'on attend vendredi prochain. Oui. Ouais. Je rentre parce que avec le critère qui va faire sortir, donc il nous a dit si tu as 12 mois d'équipe de paye, voilà, moi je peux dire que oui, je suis content parce que j'ai plus même un tonne de 12 mois d'équipe de paye. Avec 12 mois d'équipe de paye, ça va être comme un peu ces garanties dans cette situation. Vendredi, c'est un grand jour peut-être quoi. Oui, c'est un grand jour pour nous tous, pour notre soutien. C'est plein de choses quoi. Ah, ouais. Bon, bah, on va dire souvent alors. Il n'y a pas de soucis, on vit ici, on reste ici. Et merci pour tout. Bon courage. Merci pour ça. Merci. Alors, moi je suis Anne. Moi je m'appelle Moussa. Bon, alors Moussa, raconte-moi un peu là ce qui se passe au niveau de la Bastille. Au niveau de la Bastille, pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle au niveau du ministère de l'immigration. Ouais. Par contre, ce qui nous rencontre ici, le CGT, et on attend vendredi pour avoir des bons circulaires qui concernent tous les travailleurs sans papier en France. Surtout ceux qui sont lootés. Ouais. Et tu crois, toi hein? Oui. Bon. Et tu penses quoi? Parce que l'ancienne circulaire, elle n'était pas terrible. Hein? Ouais. Cette fois-ci, on souhaite d'avoir des bons circulaires qui est très, très, très bon pour travailleurs. D'accord. Voilà. Bon, ok. Et tu crois que Bessou, il va faire un effort? Eh ben, on vit ici. On travaille. Oui, on travaille.
ici. On bosse. Ici, on reste ici. Régularisation de tous les sans-papiers en France. Merci. On a un peu changé, excuse-nous, I'm not going to be able to do that.
C'est avec les droits de l'homme que nous sommes tous nés. À qui le droit de prétendre les octroyer? Yeah. C'est avec les droits de l'homme que nous sommes tous nés. À qui le droit de prétendre les octroyer? Mais alors, pourquoi tant d'hommages à tous ces leaders sauvages? En échange de ce qui est et a toujours été nos véritables primordiales propriétés. Et puis, dites-moi, y a-t-il octroi quand il s'agit de droit? Je veux le savoir. Dites-moi, y a-t-il octroi quand il s'agit de droit? Oui, dites-le moi. Michel Moignon du réseau Éducation sans frontières. Jaï Mohamed, délégué travailleur sans papier. J'ai une question. Il est 8h10, les négociateurs doivent être en train de sortir du ministère. T'attends quoi? Tu rêves quoi? Tout le monde qui est ici, on attend vraiment la réponse du gouvernement vis-à-vis des syndicats qui étaient en train de négocier pour la régularisation des travailleurs sans papier. J'espère qu'on aura des bons critères objectifs qui permettent la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire une grande victoire et ça veut dire que les patrons voyous vont arrêter de surexploiter les camarades travailleurs sans papier. Ils font très bien. En espérant d'avancer positivement dans la vie à l'avenir. Moi, ce que je te dis, c'est que quand tu auras des papiers, tu vas gagner 5 cm. À chaque fois que son papier est régularisé, ça se voit physiquement, en quelques heures, en quelques jours, il est entièrement transformé. Alors, bonne chance. Merci. On bosse ici, on vit ici, on reste ici. Régularisation de tous les travailleurs sans papier. Merci. Je m'appelle Emmanuel Thérèse, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et c'est moi qui suis le conflit au sein du groupe des 11 pour la Ligue des droits de l'homme. Et moi je suis M. Konaté, je suis sans papier, les travailleurs sans papier et la sécurité de FAFSA. Bien, alors comment est-ce que tu t'es engagé dans ce mouvement et pourquoi? On a engagé avec les CGT parce que ça fait 11 ans que je travaille en France. Donc voilà, j'ai travaillé toujours la même chose. Donc, et le patron, il n'a pas arrêté de profiter sur nous et surtout le gouvernement. Donc malgré, à chaque fois qu'on a essayé d'amener le dossier à la préfecture, donc, on n'a pas reçu toujours. Donc, voilà, et depuis le 11 octobre, donc, on a essayé de déclencher les grèves avec CGT et avec le 11. Donc voilà, et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur, donc voilà, et j'espère qu'on va y arriver. Et tu étais sur quel piquet de grève? J'étais plusieurs piquets, mais là, pour dire le truc, j'étais au FAFSA, en 6e. Et qu'est-ce que c'est ta profession? Tu en as eu plusieurs peut-être? Ah, j'en ai plusieurs. Bon, au début, c'était dire pour moi, mais maintenant, ça va, j'ai bien intégré, je peux travailler comme il faut. Mais tu fais quoi? Je fais la canalisation d'eau. Je suis polaire de la Mini PL, la Micalac, les Bamboukades, et voilà. Et tu as travaillé dans la restauration aussi? Non. La restauration, non. Les travaux publics, depuis que je suis arrivé en 99, et jusqu'à maintenant, et je travaille dans le travaux public. Et voilà. J'ai jamais travaillé dans le restaurant, je ne connais pas. Et les travaux publics, les canalisations d'eau, et les gaz, et il y a plusieurs choses. Et alors qu'est-ce que tu penses de cette lutte? Qu'est-ce que tu en as tiré? Ah, j'espère qu'on va y arriver. Comme je dis toujours, c'est pas facile. Mais j'espère qu'on va gagner. Quoi. Faut pas laisser, en tant que c'est pas fini, on lâchera pas. Voilà, on va jusqu'au bout. Voilà. Mais on est presque au bout. On est presque, mais on n'a pas encore. On attend. Faut que tout le monde reste toujours soudé et solide. Et voilà, on va y arriver. Faut qu'on part en même temps et tout le monde reste agroupé. Faut que tout le monde rentre à la même porte. On va y arriver. Alors on vit ici, on bosse ici, on reste ici. Régularisation de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses sans papier.
Si on vit ici, on reste ici. Régularisation de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses sans papier. C'est une négociation qui s'est menée sur les questions du travail, sur les questions des travailleuses et des travailleurs ici présents en France et qui luttent maintenant depuis plus de 8 mois pour pouvoir être considérés comme tels, c'est-à-dire comme des travailleurs qui doivent pouvoir maintenant être compris, intégrés comme tels parmi le monde du travail pour ce qu'ils sont. Ces négociations ont été difficiles. Ces négociations n'ont pas été simples. Ceci dit, nous avons un texte. Un texte avec des critères de régularisation. Des critères de régularisation qui s'imposent à toutes les préfectures, quelle que soit l'entreprise. On est bien content de tous les Français qui nous ont soutenus depuis 8 mois. On savait très bien, cela elle va arriver. Parce que depuis 8 mois, on a lancé au secours à tous les Français et les Françaises qui nous a bien entendus, qui nous a soutenus jusqu'au bout, qui nous a financés moralement, financièrement, tout, qui nous a financés jusqu'au bout. On savait très bien, la France, elle n'a jamais été sous de l'appel en français. Surtout, si on croit très bien aux médias. Il y a 78% des Français qui sont bien d'accord aujourd'hui de notre régularisation, qu'on travaille, on cotise, et la France, vive la France, vive la République, vive la solidarité entre les peuples. On est bien content, on est heureux. C'est bien. Là, je suis moi, je vais grandir. Ah oui. Ouais, si tu veux, d'où la mort, la mer. Notez, s'il vous plaît. Regardez. Arrête de rire. Non, on fait comme ça. C'est pas bon. Ah bon? Oui, chef, oui. C'est Babi là, c'est pour qui? Michel, attends. Mairie, il faut ne pas mairie. Merci, on a. La mairie va pas se faire. Total. Ouais. Entrez dans le cabas.
on va s'en sortir parce qu'on peut s'en sortir. Et ça, c'est du jus de pomme. Voilà. Je vais vous faire vraiment un bisou. On a gagné aujourd'hui sortir. Pour les sans-papiers. Pour les sans-papiers. Toi, on a gagné. L'Estère qu'on a fait. Je vais devenir une star. Ah là maintenant ça va là, c'est l'Estère. Là maintenant oui. Merci à tous les soutiens. Ah là là, merci à tous les soutiens. Franchement là c'est pas possible. Merci beaucoup Allah, je suis tellement content. Oh là 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 là. Très très content, très très heureux. Oh là là. Tu vois, j'ai même pas vu de rentrer. Non, mais moi, j'attends Cyril. Mais qui a fait ça là? On va pas te venir ici. Hein. Qui a fait ça? Qui est venu? Voilà, on est arrivé jusqu'au voilà, bout. Tu vas me raconter un peu, on a grâce à 11, grâce à la mobilisation de tout le monde, ça, là. Grâce à notre courage, on espère bien on arrivera vraiment à voir ce qu'on veut. Avoir le texte et merci. De l'ensemble des travailleurs et des travailleurs sans papier. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! Ah pourquoi je ne pas? Ah oui, je suis fier d'être algérien. Bah c'est pas grave, machin, on a gagné. Bah voilà. On est heureux aujourd'hui. Voilà. Ah ouais. Aujourd'hui, on a gagné deux fois. On a gagné les critères et on a gagné la Coupe du Monde. Je suis le chouchou de tout le monde. Ils n'arrêtent pas de m'embêter. Hey, il y a une compote qui dit qu'il aime bien, c'est tout bien. Ah, ça c'est vrai. Grâce à on sent toi à autre monde. Grâce à autre monde. Oui, c'est vrai que c'est grâce à autre monde que t'es là. Ouais, c'est grâce à autre monde que t'es là. Attends, c'est quand même moi qui l'ai rencontré le 14 juillet 2008. Ouais, 2009. Attends, je vais mettre en orbage parce que c'est tombé tout à l'heure. Et mets un drapeau du Mexique là. Parce que l'Algérie. Non. Voilà. T'as des nouvelles de. J'approche. Diamant, finalement, c'est quand même bon.